table, un éclat à ma table. J'fais que des sons incroyables, des trucs de malade. Cette année j'vais tout baiser sur la charte à Mayad. Pourquoi Ramayad? Il y a une explication partie. Je sais pas, ça devait rimer avec. Ça devait rimer, en plus il y a une Sénégalaise au labo qui travaille avec les Sarko, donc. Il mérite que ça. Et si tu me vois enculé ta dingue, ne crois pas que je fête Noël. C'est toute une, ça y est, j'ai payé pour ça déjà. Ouais. J'ai payé pour tout le monde. Okay. En tout cas, sur mon nouvel album, tu chantes? Ouais, bah j'ai toujours. Je développe encore ce que j'ai commencé avec 09, l'autotune, tout ça, tu vois. Okay. Malgré que les gens aiment, même pas, moi j'aime. Donc je ouais, fais, tu peux pas faire quoi. Okay. Imagine, j'aurais écouté les gens. Qui m'ont lapidé parce que j'ai fait de l'autotune, j'aurais arrêté. Regarde aujourd'hui, ils le font tous. Je suis un artiste, donc je fais ce que j'aime. Hein. Si un peintre, il fait un tableau, il va pas demander aux gens, tu fais ton tableau et voilà. Mm. Tu vois, moi je fais mon morceau. Genre, c'est comme si tu dédoublais en studio et tu regardais ton travail et tu dis si j'aime, c'est bon. Ouais, bien sûr. Moi je fais de la musique, tu vois. Un artiste, c'est à nous de créer les tendances et de faire ce qu'on aime, tu vois. Les publics, c'est pas des artistes, ils ne savent pas rapper. Ouais, ils savent écouter. Non mais c'est vrai, je peux pas leur demander, ils savent pas. Je peux demander qu'est-ce que je devrais rapper, c'est pas des rappeurs, ouais. C'est moi le rappeur. Je suis au feeling, tu vois. Après, soit je suis bon, soit je plais aux gens, soit je plais pas. Mais au moins c'est moi, tu vois. Des fois le peurage, j'en ai ras la new era, Dakar RDC. Tu travailles tellement et après, il y a tellement peu de reconnaissance que t'es un peu dégoûté, tu vois. Tu te dis putain, on est numéro 1 du top album, on vend tant de disques, on vend tant de trucs. Ils te font des vieux hip-hop avoir pu flinguer sur le câble. Tu penses pas que c'est déjà un début aux victoires. Ah non, c'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Aux victoires de la musique, il n'y a pas de catégorie rap. Ouais. Ah, ça fait pas 2 ans que ça fait 15 ans. Puis ça évolue à reculons. Ah ouais. Tu vois Skyrock, tu dis, tu coupes les émissions SP. T'as des moments où t'es blasé quoi. C'est frustrant quoi. Tu dis que le truc il pourrait être tellement big, tu vois. Et qu'au final, non. Et après 09, t'as eu cette impression là après la fin. Quand tu vois quand même toute la période où j'ai vu les Diams, Fatal Bazooka, les trucs. Par exemple, cette période là, je te dis franchement, moi un peu les Camini, tout ça, cette période là m'a dégoûté. Vous parlez des petits, par exemple, des jeunes rappeurs et tout qui essaient de se faire entendre, qui sont boycottés, qui n'ont aucune exposition. Et derrière ça, t'entends du Camini, du Fatal Bazooka en boucle à la télé et tout. Tu vois, ça dégoûte. Je pense que c'est même pas vous, c'est pas tellement vous le problème, mais c'est plus les médias. Parce que imaginons, on est dans l'hypothétique, tu fais un morceau, par exemple, il y a toi, tu fais poser toi, il y a Rof, il y a La Fouine, il y a Salif, il y a Nesby, tu vois, un remix lourd de je sais pas n'importe quel morceau. Je pense que même avec un truc lourd comme ça, les médias ne seront pas forcément en train à diffuser le truc, à pousser le truc. Ils sont toujours dans leur. Ils s'en foutent. En fait, c'est pas vous le problème quoi. Ah, c'est les médias qui veulent pas nous jouer. Oui, même si tu dis. Même s'ils ont un problème avec nos paroles ou avec la censure, ça existe, hein. Tu bipes les mots qui te dérangent, voilà, tu passes voilà. Le morceau, comme ils font aux États-Unis. Mais ici, même pas, ils cherchent même pas. Ils veulent même pas comprendre, même pas le morceau. Voilà, tu vois. Et c'est eux qui décident. Ouais, c'est eux qui contrôlent le truc. Parce que justement, par exemple, les grosses radios ou les médias comme ça, ils sont pas. Si c'était toi, par exemple, c'est toi Fred de Sky, c'est toi Laurent Bounot. Tu vas jouer plein de rap français qui passe pas aujourd'hui à la radio. Voilà. Parce que le problème il est là, c'est pas les médias, ils sont pas dirigés par des gens qui connaissent la musique. Fred de Sky, qu'est-ce qu'il connaît? Moi ça fait 16 ans que je suis là-dedans, plus que j'écoute du rap, que je suis là-dedans. Il était où lui avant? Je l'ai pas vu. Par contre tous les que ce soit Joe Star, Lordissa, Cut Killer, Jackie, Negmaron, Secteur As, eux je les ai vus, tous ceux-là, tous les gens qui sont dans le game et qui connaissent le rap, je les ai vus. Lui, Laurent Bounot, je les connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Les rappeurs qui étaient là avant, ils auraient dû
Ah, c'est pas, ils auraient dû. On a, c'est pas. C'est qu'on est en France. Tu te dis, ouais, c'est nous, on contrôle. Tu montes pas une radio comme ça. Ouais. C'est truc public, je sais pas comment ça s'appelle là. C'est eux qui contrôlent. Ouais, les lois. Tu montes pas demain ton antenne et tu t'envoies de la musique, tu vois ce que je veux dire. En plus, par rapport à ça, il y avait une rumeur qui circulait. Genre, t'avais des parts ces générations, tout ça. Non. On le voit souvent en génération, ouais, c'est juste le fait que ça soit la deuxième radio hip-hop, quoi. Une génération, c'est trop petit, tu vois, pour un mouvement comme ça. Ouais, ça aimait pas. C'est local, tu vois, c'est pas. Il faut de l'énergie. C'est ça qui tue le rap. Si t'avais une grosse radio qui laissait la place à. Déjà, ça motiverait les jeunes à faire de la musique et ça leur permettrait de croire déjà qu'ils peuvent passer à la radio un jour. Mais là, je me mets à la place d'un mec qui commence le rap, t'es désespéré. Mon rap a été crucifié en devenir Christ, Tant que je vois des mecs qu'on fait plus que moi, je veux plus. Je vois un Johnny qui fait Stade de France, je me dis, moi j'ai pas encore fait Stade de France, tu vois. En fait, tu reviens même plus. Je te dis pas que je pense pas qu'un jour j'y arriverai, tu vois. Ah, mais t'espères. Façon de parler, tu vois. Tu reviens même plus dans façon dans le rap français, tu vois, tu te compares même aux artistes variétés, tout ça. Ouais, bien sûr. On est dans les bacs comme eux, hein. Et on a encore plus de mérite, je trouve, parce qu'on est. Donc, sinon, on a toutes les portes fermées, on passe pas sur. On n'a pas les mêmes. On se bat pas avec les mêmes armes, tu vois. On n'a pas les mêmes moyens, les mêmes dispositifs qu'eux, tu vois. Eux, ils passent partout, ils sont invités partout. Ouais, tu veux dire, avec ce que vous avez, vous arrivez quand même à vous en sortir à. Non, mais ici, ils ont peur. Ouais, y a pas la gueule, elle passe pas, quoi. Ouais, ça passe pas. Alors qu'aux États-Unis, un 50 Cent qui vient du Queens, qui s'est pris 9 balles dans le corps, il va être à côté d'un Britney Spears normal et ils vont rigoler ensemble. Et ils ont pas peur de lui. Tu vois ce que je veux dire? Allons pas. J'aimerais bien produire des gens, mais. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit, c'est dur de. Parce que même moi, en tant que. Même pour moi, c'est dur d'écouter des nouveaux talents parce que je peux même plus écouter des missions SP ou de radio, tu vois ce que je veux dire, pour les dire même, même pour moi c'est chaud, tu vois, avoir accès voilà. Les gens adorent t'envoyer des choses pour c'est quoi, mais tu vois, plein de trucs sur internet, il y a tout, énorme, c'est pas moi les trucs qui devraient arriver à mes oreilles, tu vois. Donc c'est pas évident, et des fois quand tu trouves des mecs qui ont du talent ou quoi, ils ont déjà leur truc, tu vois. Je répète le jour où j'ai dit non à P2O, j'ai mis le dernier coup de marque. Si vous avez l'occasion de refaire de retravailler ensemble. On travaille ensemble. Non, les spills, c'est terminé. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il dit, je regrette toujours. Je vois pas ce qu'il veut dire par. J'ai dit non à B2O. Peut-être d'aller plus loin ensemble avec le 9DI, tout ça. Non, mais il a pas dit non, on s'est séparés, tu vois. Donc c'est une période terminée, vous retrouvez. Ouais. On fait son truc, on fait notre truc. C'est normal. Jugé à cause de ma couleur. J'ai fait les choses. Personne ne me demande rien. C'est toi-même, tu vois. Quand j'écris, je suis tout seul. Hein. Ah, tu t'écoutes pas ce qu'il y a dans ma voiture, en fait. Non, j'écoute pas. Si, je peux écouter. Vite fait. Je peux écouter, mais. C'est pas les gens, ils m'ont jamais dicté. Tu sais, quand je suis inspiré, j'écoute mon instru et mon truc. Ça sort tout seul. Hein. Je pense pas au public ou aux commentaires d'internet ou quoi que ce soit. Ouais, ma couleur, par exemple, pourquoi ça passe pas sur énergie? Ouais, parce que c'est normal, radio, c'est normal, c'est normal. Tu vois, c'est comme t'as dit, c'est assez clean, ça parle de. Voilà, ça parle quelque chose de concret. C'est un truc sensé, c'est pas. Tu vois? Donc c'est vraiment, il veut. Tu vois? Donc si avec ça tu passes pas. Fin, quoi, tu vois, je vais pas mettre un string et. tu vois, je sais pas quoi faire après. Tu vois, si avec ça ou des morceaux comme Au bout des rêves ou même Pitbull ou des trucs comme ça, tu passes pas. Ça veut bien dire qu'ils veulent pas, quoi, parce que pour moi c'est de la bonne musique, tu vois, c'est pas parce que c'est moi, tu vois, mais c'est un bon morceau. Tu vois, d'ailleurs, là, il y a eu un bon accueil, tu vois, les gens qui louent, tu vois, les meufs, moi, c'est une belle chanson, tu vois. Moi je vois pas pourquoi ça passe pas autre part que sur Skyrock ou Génération. Il y a un problème, tu vois, c'est qu'ils veulent pas. Mais des fois, t'as pas l'impression de te mettre des fois au dos un public féminin? Avec certaines phases. Non, je m'en fous. je pense pas déjà. Et de deux, il y a celle qui aime et il y a celle qui aime pas, il y a celle qui kiffe.
Si tu viens à mes concerts, si tu viens à mes concerts, il y a plein de meufs devant et elles chantent les trucs les plus sains que je dis, tu vois, c'est elles qui les disent. Oh, ça te fait gorille un peu quand tu vois ça, non? Ouais, mais j'aime bien parce que, de toute façon, une meuf qui est pas coincée ou quoi, elle sait de quoi je parle. Ouais, du c'est il y a des meufs, elles se parlent entre elles, c'est les premières à se traiter de grosses putains. Ouais, non, mais elle, c'est une grosse salope, c'est une grosse chienne. Hein, ouais. Tu vois, donc elles savent de quoi on parle, tu vois, c'est pas comme si. Ouais, tu penses qu'il y en a qui voilà, font des hypocrites. Il y en a, soit elles se sentent visées, elles sont dégoûtées, tu vois. Ou il y en a, elles font les meufs coincées, ou il y en a, elles comprennent, elles sont à l'ouest du délire. Et il y a celles qui comprennent, tu vois. Meuf à poil, oui, dry de C, c'est dans ma suite. Quand on aura marre de sucer, bitch, prends la fuite. Sans moins 8, zo, ça va très vite. Fast life pour les big graveurs d'élite. Derrière les petits, quoi qu'ils en disent avant d'amener.